Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à l'apéro pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ. Donc on va aller affronter Krillin et Trunks. Donc est-ce qu'il faut que je mette Krillin versus Krillin? Je ne sais pas, puisque apparemment il s'est déjà fait défoncer. Bah voilà, je crois qu'on y est. Voilà. Sasuga Clone. Marde kagami o miteru mitai da na. Kore dake nite tara tanin ni wa zettai miwake ga tsukanai zo. 18-gou san wa ore to clone wo chanto miwakete kureru kana? Mais oui, oh là là. Miwakete morae nakatta ra shokku da na. Tabun daijoubu da to omou kedo. Nante koto shinpai shiteru baai janai ka. Ah là. Moshi koko de aitsu o miushinatta ra taihen na koto ni naru. Ore no sugata de warusa nanka sareta ra 警察官としての立場がないもんな。というわけで、お前が悪さをする前に倒させてもらうぞ。 Alors je suis content parce qu'ils prennent vraiment des éléments qu'on entend très très peu parler dans les mangas. D'ailleurs, je crois qu'on entend lui parler que dans l'animé de ça. Et ça c'est vraiment génial en termes de trucs, enfin de discussion. Et là, on peut voir aussi ce que serait la série si c'était écrit là le héros. Ce serait rigolo. Pas plus encore que... C'est parti. Allons-y. Are you ready? Go! C'était un caillou. Ouais, pas mal ça. Ah non, c'est pas du tout. Ah si, c'est ce que je veux faire. Non, je vais y arriver. C'est fait. Je peux plus le faire. Je peux plus le faire, l'événement. Bon, bah, c'est pas grave. On va essayer un autre truc alors. Est-ce qu'on essaie un autre truc ou pas? Allez. Ça fait plaisir. C'est ce que je veux faire. Alors. Ah! D'accord, c'est vers l'avant. Oui, je crois que c'était vers l'arrière. Autant pour moi. Voilà, on fait venir les deux comme ça. Hop. C'est fait. C'était stylé, je voulais un petit peu de style. Tant qu'on peut encore en faire. Remplissage d'assistance plus rapide. Ça peut être intéressant. Bien plus que défense, je pense. Puisque de toute façon les assists peuvent véritablement te sauver la mise. Ah cool. Yamcha. J'aime beaucoup Yamcha en tant que personnage. Puisque c'est un personnage qui... Bah, au-delà d'être très drôle, il est aussi extrêmement intéressant. Alors, tu te bats pas? Voilà, fais venir. Voilà, merci. Bien joué. Qu'est-ce qu'on fait? Hop là, dégage. Hop, voilà, bouffe. Pas encore. Aïe. Voilà, dégage. Hop. Ça aurait été stylé quand même, minimum. Tant que je le peux, c'est ça le truc, c'est... Au bout d'un moment, moi je serais plus en mesure de faire toutes ces choses-là. C'est quoi? Ah. Alors, un petit caméraman, vas-y. Un petit combat de rayon, tu veux pas? Oh, il veut pas. Hop. Ah, il va pas finir du coup. J'aurais dû aller voir ce qu'il avait pour une technique. Mais c'est pas grave. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Par contre, il va vraiment être temps que l'IA se réveille, si je puis me permettre.
Parce que bon. Ah, ils viennent de gagner un niveau. Ok, cool. Niveau 4. Yamcha en ami. Ça serait bien. Ça serait très très bien. Ah bah voilà. Yamcha mec. Yogata. Muzi mitai da. On dirait vraiment de l'anime. Goku. Krillin. Kite kureta no ka. T'as l'air en forme. Yamcha-san. Yogata. Ishiki wa aru desu ne. Ah. Demo koushite hanashi o suru no ga yatto da. Ya, sugoi desu yo. Ore nanka Goku ni tasukerareru made ishiki o ushinatte ta no ni. Sou nano ka? Yake ni karada ga omoi. Ittai nani ga? Sore ga desu ne. J'ai l'impression d'avoir été renversé par un camion, c'est vrai que ça doit lui arriver souvent. Ah! Yamcha tout pâle. Mata clone da. Krillin, setsumei wa atto da. On se fait un petit combat d'humains. Ça vous va? On va prendre que des humains. Ça peut être rigolo. Je sais pas s'il est tout seul. Ah, il est avec. On va la jouer honnête. On va faire humain contre humain et Saiyan contre Saiyan. Hop, les bouffes. D'accord, ça fait ça, ok. Ok, pourquoi pas, c'est rigolo. Par contre... Non, laisse-moi faire ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah bah. Voilà, c'est bizarre, ça voulait pas tout à l'heure. Bon, par contre, si je fais que les... Ah, d'accord, il a un gros dash. Hop, bouf. Voilà. C'est pour faire son repos écrit là, pour pas qu'il perde trop de PV. Et si toute la barre bleue, il peut la récupérer en fait. Ça, c'est ça. Il a du mal encore à sortir le petit quart de sa carrière. Ouf. Il a encore du mal à le sortir. Bon bah s'il veut pas se battre aussi, c'est naze. Allez, bats-toi. Bats-toi. Vous allez en avoir marre au bout d'un moment, non? Allez, bouge-toi le fion. Non, il veut pas, hein. Bon, bah... On bourre, hein. Moi, je bourre, hein. J'ai pas de raison de... On est à l'heure d'avoir un niveau 4, mais je crois que c'est 4 sur l'échelle de puissance, quoi. C'est ridicule, donc. Dommage. Yamcha est disponible. Cool. Niveau 2 pour Krillin. Cool. Qu'il ait maigri, pas qu'il a maigri. On parle d'un personnage d'animé, donc il maigrira pas. Mais qu'il ait maigri en termes de physique. Je le voyais plus balèze avant. Un petit peu plus, hein. Vraiment léger. Il faut dire qu'il est passé par tellement de physique. Je me suis retiré des arts martiaux, même si je porte toujours la même tenue. Bah oui, c'est ça. Merci de souligner ce que je dis. Même Krillin. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé dit comme ça. On pourrait vraiment voir un animé. Ça, c'est vraiment un super truc, quoi. J'allais dire super jeu, mais non, ça fera pas le jeu en entier, mais... C'est pas ça qui va faire le jeu, en tout cas, mais... Ouais, pour moi, ça reste quand même un très très bon point. Voyons voir si je me trompe. Alors, on avait la charge de qui? Est-ce que c'est quand... Ouais... Parce que j'ai envie de vous montrer des choses jolies visuellement, je passe sur ça. Hop.
puissance d'attaque plus 1, Tenshinhan devient disponible. D'accord, on passe là-dessus. C'est parti. Encore un Krilin. Dommage qu'il n'y ait pas un Yamcha. Ah oui, un Yamcha avec lui. Oh, Shaozu. T'es pas mort. Merde. T'as même pas le droit à ton clone, t'imagines. Il a même pas le droit à son clone. Ou elle a même pas le droit à son personnage, tu me diras, mais il est présent. Je vous dirai pas comment, mais il est présent. Dire que le tout premier combat qu'ils ont entre Chaozu et Krilin, il est hyper méga sérieux de la mort qui tue. Ah, j'aime bien quand il dit Kakategoi. Ramène-toi. Ah, ça c'est ça qui est bon. Par contre, oui, on est à 3 contre 2, j'aime pas trop ce genre de déséquilibrage. C'est un peu dommage. Peut-être qu'ils vont être un peu plus voraces par contre. Ah ah ah. Peut-être, peut-être. Ah! À chaque fois, j'avais oublié les détails là. Merci. Voyons voir. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait avec la roulade? Okay. D'accord, il fait une roulade. Ok, c'était bizarre, mais pourquoi pas. Ah, qui a droit à son petit Kamehameha des familles? Oui! Oh, génial, il a vraiment le... Ah. Elle est imparable? Intéressant. Et boum, ça c'est fait. Ok. Intéressant, ça. Je l'ai pas trop pris en fait. J'ai juste vérifié vite fait les techniques qu'il avait. Voir un petit peu s'il avait des mouvements sympas. Alors, du coup, j'ai bloqué Tenshinhan. Alors là, commence à avoir le problème de savoir qui je vais prendre dans l'équipe. Goku, Krilin c'est bien, pardon. Tenshinhan, je ne sais pas. Yamcha est balèze, je pense. Peut-être plus balèze encore que Goku. Dans ce jeu, en tout cas. Rien que le fait qu'il y ait une roulade comme ça, ça m'intéresse en termes de combat. Je pense que je vais facilement imaginer un petit peu les choses qu'il y a, à part tout ce qui est combo technique, si je puis dire. Tout ce qui est cancel et tout ça, contre cancel. Mais. Et on réexplique tout. Ah, par contre, c'est à chaque fois qu'on a un personnage, on a un fond du noir pour dire voilà, j'explique l'histoire. Alors, moi je suis d'accord avec Shaozu. Pourquoi? Tenshinhan, quand il se bat, il se dit oh, il faut que je meure dans ce combat à chaque fois. D'ailleurs, il a des techniques qui lui bouffent ses PV normalement, enfin qui lui bouffent sa vie. Peut-être te planquer. Voilà, non. Tu vas aller te planquer. On dirait vraiment de l'anime, ça c'est vraiment génial. Hein. Oh, c'est mignon! Kamagnon! Allez, la suite! Pourquoi on a un déticiel ici? Récupération de santé niveau 3, bonus de chaos, d'accord, ok. Donc oui, d'accord, les effets avec la flèche qui monte vers le haut,
C'est pour dire que... ça c'est cool de voir ça. C'est génial. Pardon. T'abordes le mauvais sujet. Ah, est-ce qu'ils vont aborder son homosexualité? Excellent, absolument excellent. Brace yourself for the coming battle. Le pauvre Krillin en face qui va prendre tellement cher. Ah oui, donc tu vas faire que ça. Oh. Pardon. C'est bon. Pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Allez, couché. Voilà. Merci. Au revoir. Ce combat n'était pas drôle. Donc on a récupéré la santé. Toujours ça de prix. Bon, on t'est y arrivé. Ça y est, est-ce qu'on va avoir le droit à niveau 8 combat de boss? On devrait avoir quelque chose d'intéressant. Bonus d'expérience. Bonus de défense qu'il a. Le plus rapide, maîtriser les mouvements aériens et capital. Tu auras l'avantage au combat. Non, c'est pas un tutoriel. Oh, c'est un tutoriel. Mais non. Le respect. Il est où le respect? Plan diabolique par l'armée du ruban rouge. これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、俺の体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。ええ、じゃあさ、おめえより18号の方が強いだろ。それはそうなんだけどさ。 Tu m'étonnes, le tact de Bai Sangu. なっ、クリリ。どっかでものすげえ気を感じねえか？あ、本当だ。今まで戦ったクローンと明らかに木の質が違う。もしかして、この木ってセルじゃないか？確かに。目のセルに比べっと小さい木だけど。 けんどよ。セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。うん。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか？めめ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 
Moi, je le sais. Tout le monde le sait, vous le savez, ils le savent. Mais vous lui donnez quand même une aura. Pourquoi ? Ah, en plus, c'est là où celle absorbe C17 et C16. C17 et C18, pardon. De mémoire. Par contre, du coup, est-ce qu'il affronterait pas une un des deux ? Enfin, C18. Y'a pas les Zelda ! Soleil tout taoulé t'es une noix ! Ah bah tiens, C18. 18号さん Ah, ah oui, j'utilise que cri là. J'utilise que cri là. J'annonce. Il est toujours aussi stylé. Mais j'utilise que cri là. Bah les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. De toute façon, c'est qu'un.誰かと思えば孫悟空とクリリンか。本当に復活したんだな。正直、おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。メタン。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきちゃったぞ。 Il en veut énormément à Gohan. Non. 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 Elle a une tenue qui ressemble à celle de Mira et Towa. J'aime pas ça. C'est une méchante. Nous. すみません。誰だか分かりませんが、18号さんのことをお願いします。ああ、クール。俺はセルを倒してくるんで。お前が。やめろ、クリリン。おめえの勝手な相手じゃねえ。メシ。お姉さん一人守れずに、夫を名乗れるかよ。わら。おお、随分と強気だな。 Allez, Krillin! C'est ça qui est bon! Ah, Krillin me plaît dans ce jeu! C'est cool! Ah non, je joue avec Krillin dès le départ! Oh, c'est chiant! Ah, il a une super image par contre, Cell, j'adore! J'adore, j'adore! Voilà! Ça va être chiant. Ah, allez. Allez, la suite, je vais me dépêcher de le faire. Ah oui, d'accord, il se réveille maintenant, lui. Alors, tu veux te la mettre ? Il a un truc en arrière. Il a lancé le caillou. Allez, vas-y. Encore. Oh merde. Je suis trop loin. Ah, bien joué. Soit j'ai des problèmes à niveau. Bon, du coup. Eh bouf! Oh, oh la déception! Attendez, qu'est-ce qu'il a d'autre comme technique? Le barrage de Kenzan, bah pourquoi tu le fais pas? Eh bouf! Voilà! Voilà!
Une belle technique. Donc Krilla a battu. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Krilla a battu Cell. Ça fait quoi, Cell? Duracell? Non? Elle était nulle? Ok, elle était nulle. Elle est en train de me dire que c'est vraiment... Oh, l'humiliation. Ouais, c'est méchant. Oui, parce que c'est le vrai sel, il est pas gris ni rien, j'imagine que c'est le vrai. Ah, tu t'es fait avoir par ta propre technique. Quel dommage. Enfin non, le Taiyoken, je crois que c'était Shinan et Shaozu. お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとても強いんですね。 Le simple fait qu'on l'ait pas encore vu de face montre qu'elle est méchante. まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動? なんか知ってんのか? もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか。彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私レッドリボンに雇われていた研究員なんです。センメシャント。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが。 オデラ、オデラデュ・ルバン・ルージュが出現したり、セルたちが復活した原因は、はい、すべて軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが、軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。 18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも、途中でセルと遭遇して、18号さんが犠牲に。セルは、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 
Du coup les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vers le commenter, le partager, vous abonner. Et moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite des aventures de Goku. Salut les gens et yo.